j'ai eu la chance de pouvoir devenir en 2009 ambassadeur BMW à travers sa fondation qui organise beaucoup de journées de sensibilisation des jeunes à la sécurité routière après le permis de conduire, qui se perfectionnent sur circuit en toute sécurité aux situations d'urgence avec des voitures puissantes que sont les BMW série M. Ce sont des valeurs que je partage avec la fondation et avec BMW. Dès mon plus jeune âge, j'étais passionné de mécanique. J'ai commencé le karting très jeune, de ce fait, j'étais champion de Ligue des Alpes. Ensuite, en gravissant les échelons du sport automobile, après avoir été champion de France de Formule 3, j'ai accédé à la Formule 2 grâce à BMW France, qui m'a soutenu en me fournissant des moteurs 2 litres BMW. J'ai eu la chance, en 84, de gagner la finale du championnat d'Europe de Formule 2, et ce qui m'a permis d'accéder à la Formule 1 un mois plus tard. Grâce à l'aide de BMW, j'ai pu accéder à la Formule 1. Après mon accident aux essais du Grand Prix du Brésil en 1989, j'ai eu l'idée de transformer mon véhicule et de passer du fauteuil roulant électrique à une voiture conduite avec un joystick comme je maniais mon fauteuil roulant électrique. C'était très long à faire homologuer ce système, c'était un parcours du combattant. J'étais le premier à passer mon permis mini-manche. Et c'est pour ça que la direction de la sécurité routière m'a demandé de les rejoindre pour justement aider les autres. Depuis, je m'occupe justement des personnes handicapées en France, lourdement handicapées, myopathes, tétraplégiques. Ils sont obligés d'utiliser comme moi un joystick et en conduisant pratiquement qu'avec l'épaule. Si j'avais pas été le premier à passer mon permis à faire homologuer le système avec ma propre voiture, ça serait pas possible aujourd'hui. Attends, parce que je me suis un petit peu pas mon leader, là, mais ma référence, quoi, parce que moi j'étais à fond. C'est pas aussi vieux que ma voiture, là, j'ai 54 ans. 43 ans cette voiture. Non, mais j'ai 54 ans, mais quand j'étais petit déjà. Pas, bah, tant mieux, tant mieux. Mais moi je suis pas un intervieweur, je suis pas. Vous êtes bien de Kavon, Kavon kickboxing. Quand j'étais champion de France en 87. 87, pas 89. Vous êtes sûrement à la mettre en route pour la première fois depuis des années. Et ça vous fait quoi comme émotion? Parce que c'était la torture, ça va rien. Elle a été dessinée par mon ami aussi et fabriquée. Et là avec ses enfants, on a fait essayer à Japon. Classique qui est à l'origine de ce championnat de la Coupe de l'Avenir, qui, comme vous le voyez à l'avant de la voiture, a repris l'organisation d'un championnat Avenir Cup historique, près de l'avant de la voiture, qui est donc le nouveau championnat. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dessus? En fait, c'est une Sim Camille Rally 2. C'est une Camille Rally 2 recarrossée. Il y a prescription maintenant, mais j'ai retrouvé ma Rally 2 de route. Volé deux mois avant, volé par moi-même avec l'agent d'assurance, on a construit cette voiture à l'école des arts et métiers dans les champions. C'était en quelle année ça? Vous avez fait quoi avec? 77, j'étais champion de France avec. Champion de France avec, d'accord. Là, je vais regarder comment elle démarre. Quand est-ce qu'on la démarre? Quand vous êtes passé en formule? J'ai gagné le volant Motul à Nogaro. Ouais. Puis avant, j'avais mécané le volant Beltoise à Nîmes, j'ai enfin démarré en Formule Renault. Puis ensuite, passé en Formule 3, j'ai gagné ma première course la première année au Grand Prix de France, en prologue du Grand Prix de France. 78 en Formule Renault. Et donc, ça m'a amené vers la Formule 3. J'ai champion de France, d'abord vice-champion de France derrière Alain Prost, qui est plus fort que moi. Alain Prost, c'est votre génération ou pas? On a le même âge. J'étais son premier pilote d'essai en 1983 en Formule 1. Avant ça, bon, j'étais champion de France. J'étais obligé de redoubler le championnat de France de Formule 3. Ah, un peu moins. Ah, bah non, ça va démarrer. C'est la passion. Si, j'étais champion d'Europe. Vous avez été champion après la Formule 2. C'est oui, tout. Et puis après. C'était quand même vous avez été champion d'Europe. 4. Après, j'étais en même temps pilote d'essai de Zara Prost. C'est Patrick Tambay qui est ici même. Patrick Tambay, il est là. Qui est là? Il est où Patrick? C'est ce que j'étais en train de demander. C'est Patrick? Je ne sais pas, je le trouve pas. Il est où Patrick? Il a un peu mal à respirer. Il est reparti avec mon premier Grand Prix en 1984 avec lui. Je peux vous poser une question aussi. Moi, mon idole, à l'époque, c'était Ayrton Senna. Moi aussi. Et vous avez des bons souvenirs 84, aussi avec... bien sûr. Une petite anecdote à me raconter. Le meilleur, c'est quand j'ai habité à Bercy, après mon accident, 93, 4 ans après mon accident. 4 ans et demi, près de 5 ans après mon accident, il est venu donc pour m'aider avec Alain Prost. D'ailleurs,
à monter un événement qui a été pérennisé récemment, 4 mois après, de 1993 à 2002, parce que c'était le Elf Masters de karting à Bercy. Il y avait beaucoup de jeunes pilotes juniors, dont Fernando Alonso en 1998, j'ai oublié Jenson Button en 1997, il y avait 15 ans, ou Robert Kubica en 1999, Lewis Hamilton en 2000, Sébastien Vettel en 2001, en junior, hein, et Charles Leclerc dernièrement dans la série électrique Gévette avec ERDF. Et Elf est venu parce qu'il y avait le duel Prost-Sénat. Et Sénat est venu tout en blanc, et 4 mois après, il s'est tué devant mes yeux. J'étais là pour ce moment. J'étais là. Ouais. Je travaillais avec lui après. On m'a sympathisé à Paris, il m'a demandé de lui. Ils avaient une chambre à Cadriana au Crayon. Je l'ai vu là-bas. On a discuté que je pourrais distribuer ses produits comme je distribue les Vertigo de Karim Adelstraten ici présent. Enfin, j'ai distribué les produits d'Ayrton Senna avec sa sœur Viviane. Et j'étais avec lui parce qu'on a 3 jours avant, et moi là, donc lancé un produit d'un VTT Senna à Padoue, près de Venise. Et je suis parti après avec lui à Imola, bien sûr, je suis resté week-end. Il s'est tué 10 minutes avant le matin. J'ai déjeuné 10 minutes avant le dimanche, il voulait pas courir. Il voulait pas courir parce qu'il y avait eu un mort la veille. Oui, je m'en rappelle, il y avait eu. Et son ami Rubens Barrichello, qui a eu un grave accident le matin. Il s'en est sorti. Ça me pousse à lécher comme voiture. C'est le Rallye 2, c'est incroyable. Ouais. Autant le Rallye 2. Tu sais que avant que vous arriviez, j'avais demandé à Jean Silani de la remettre un peu à neuf, mais c'est plus de mon époque. Moi j'ai fait Mégal, maintenant je m'occupe de GP2, je sais pas quoi. Je suis trop vieux pour ça. Mais c'est une voiture qui vous appartient encore, donc. Oui, c'est à moi, j'ai racheté. Je l'ai vendu après avoir été champion de France, 35 000 francs en 78. On a fait 5 modèles comme ça qu'on a vendu en kit pour l'année 78. Donc là j'étais champion avec, en 77, c'est à 177. On a fait 5 modèles de 278. Et après, bon, j'ai couru en Formule 3 et on a arrêté. Et c'est Lionel Fabien qui voudrait. Vous voyez, monsieur KLF là, c'est lui qui a continué la série des 380 et quelques, 400, il y en a la 10e. Il a roulé. Lionel, tu parlais des LF là. Bonjour. C'est la LF 177, il y a eu la 5 modèles de 278. Après, dépassé à quoi? Après, 300. Ouais, après, on en a fait beaucoup. On a fait une voiture pour Landros, qui pilotait. Pour le Landros? Oui. Ah, d'accord. Sur Beltoise. Beltoise, d'accord. Beltoise, Jarrier. D'accord. Mais Jean-Pierre, pas l'office. Donc, Jean-Pierre, ouais. D'accord. Ouais. Donc, alors, toute la génération est toujours en place et virulente alors. Donc, on essaye. Non, mais c'est bien de ressortir des autos comme ça, justement. Ouais. Ah, bah, ça, c'était mon auto. Oui, c'est ça. C'est vous qui l'avez conçu. Conçu et piloté. D'accord. Donc, et ça, c'est de son voiture qui était plutôt destinée à quoi? Donc, du coup, à la piste ou à plutôt à la piste, ouais. À la piste. Et elles ont fait de la côte après, ces voitures-là ou pas? Ah, elle a dû faire de la côte, mais pas avec nous. Hein. Ouais. Parce qu'après, ça s'est recyclé dans la côte. Oui, bien sûr. Et le moteur, en fait, à l'origine, alors exactement, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est du Rallye 2, quoi, c'est ça? Voilà, il n'y a pas que le moteur, il fallait reprendre les trains roulants complets. Moteur boîte d'origine, sans préparation. Et l'ossature, donc c'est quand même donc un châssis tubulaire. Un châssis tubulaire. Avec des panneaux d'alu. Ouais. D'accord, donc ce sont des pièces uniques. Oui, en fait. Celle-ci, elle est unique. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, donc le but de la journée, en fait, c'est quoi? Le but, elle a été plus ou moins restaurée et Philippe voulait la voir rouler, donc voilà. D'accord, donc c'est l'occasion de l'avoir roulé sur sa queue. Voilà, et puis elle a été essayée par un journaliste d'échappement. Quel est le nom du journaliste de l'échappement? Je ne connais pas son nom. Alors c'est Échappement Club. Pascal, qui a le magazine Échappement, a créé ce championnat par son patron Michel Hommel il y a 76. Allô? Ah oui, d'accord. Là, c'est Échappement Classique. Moi, Dominique Pascal, je fais un essai de cette voiture pour Échappement Classique. D'accord. Et vous êtes de chez Échappement, justement, du journal Échappement. Vous êtes journaliste. Groupe de presse Michel Hommel. D'accord. Quelle est l'évolution qu'il y a eu par rapport à Échappement et Échappement Classique, justement? Échappement et Échappement Classique sont devenus un seul magazine, puisque la presse a quelques ennuis en ce moment, donc on regroupe les titres, puisque c'est les mêmes passionnés qui achètent l'un et l'autre. Oui, d'accord. Et justement, je pense même peut-être plus de passionnés aujourd'hui sur Classique que sur Échappement. La bonne question. C'est la bonne question. Je pense qu'aujourd'hui,
vintage est plus porteur que le moderne. J'ai l'impression mais aussi. Ça reste à prouver. D'accord. Donc il y a encore de beaux jours. Alors aujourd'hui, les jours de la presse, justement automobile, c'est plutôt lié à Internet. Vous faites quoi justement par rapport à Alors, Internet? Alors, Internet, c'est vrai, a fait beaucoup de mal à la presse papier. Mais en revanche, Auto Hebdo, qui est dans le groupe Mel, a une très bonne diffusion avec le autohebdo.fr, évidemment. Puisque dans le monde entier, ceux qui sont abonnés ont les informations même avant qu'ils soient imprimés. D'accord, c'est vrai que le mode de communication a changé. Complètement. D'accord. Et là, les gens d'automobile aujourd'hui, alors par rapport à ça, ça va être des tours de circuit, c'est quoi en fait? C'est des sensations? Là, je vais faire un essai pour Chapeau Classique. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de performance, c'est des sensations. Sensations. Voilà. Et l'histoire de légendes vivantes qui sont là, Philippe Streff, Patrick Tambay. J'ai honte d'être le seul en combinaison de pilotes alors qu'il y a deux sommités là. Ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, il faut faire suivre la légende et il ne faut pas l'arrêter. Ouais, non, jamais. D'accord, donc tout à l'heure, vous pourrez nous communiquer quand même encore deux, trois mots par rapport aux sensations bien de la voiture. Vous ne l'avez pas conduite pour l'instant, jamais? Pardon? Vous l'avez conduite pour l'instant, jamais? Jamais, 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 jamais. Premier tour de roue. C'est les premiers tours de roue que vous faites là sur le circuit. Sur cette voiture, oui. Ouais, et sur ce circuit aussi, oui. D'accord, bah, écoutez, je vais vous laisser vous concentrer un petit peu. Quand même, il faut de la concentration. Parce qu'il ne faut pas casser la voiture. Hein. c'est pas le moment. Bon, merci, à tout à l'heure. On va essayer. Merci. Merci. Un petit peu si vous êtes aussi comme moi dans le caritatif, parce que je fais beaucoup de galas de boxe au profit d'enfants qui ont le cancer, des enfants qui sont paraplégiques, les orphelins et pompiers. Savoir si vous de votre côté vous êtes un petit peu là-dedans, vous trouvez tout ça. C'est fantastique. Et je voulais savoir, Patrick, toi, si de ton côté tu faisais la même chose que moi. De tout le temps. Depuis combien de temps? Soit c'est bon, 20 ans. Depuis 20 ans, d'accord. Ben voilà. C'est notre responsabilité. Et les associations, c'est tout ça. Je m'excuse, j'ai plus de voix. Oui, c'est pas grave. Le principal, c'est de savoir un petit peu les associations pour lesquelles tu œuvres. C'est des enfants paraplégiques, tétraplégiques. Généralement, ce sont des accidents. Des accidentés. Accidentés, d'accord. Et bien là. Pour qu'ils puissent pouvoir marcher. Quand j'ai fait des journées d'essai pour des jeunes gens. Des Ferrari, dizaines de voitures. Et toute la journée, on fait des battements. Eh ben voilà. En fait, on fait à peu près la même chose tous les deux parce que quand tu parles de faire des battements Ferrari, j'étais en train de l'expliquer justement à mon ami. C'est que la dernière fois qu'on a fait des battements, c'était, je ne sais pas si tu connais la Grande Motte. Quand on a toujours un rassemblement de Ferrari, à peu près une centaine de Ferrari. Ouais. On fait ça pour le Lions Club. Et donc chaque année, donc, toutes les Ferrari se rencontrent et on fait faire des tours de voiture donc pour des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. On fait payer ça. Et donc je me rappelle qu'il y a à peu près 5 ou 6 ans en arrière, on avait récolté presque 80 000 euros entre bien sûr les baptêmes de voiture et aussi la soirée qu'on avait organisée avec le Lions Club. Tu connais un petit peu cette... Oui, surtout ce qui est important, c'est de pouvoir faire découvrir aux enfants les sensations. Tout ça. Exactement. Exactement. Ça emporte beaucoup. Voilà. Leur dire que c'est comme ça, c'est pas réussir la mission, c'est de dire tu vas pouvoir oublier comme des mois, tu as un peu de. Tu dois me dire assez. C'est magique pour eux. Tu dois le dire. C'est magique pour les enfants quand ils sont dans des voitures comme ça.
Mais ça, vous l'avez fait, c'est encore une fois, c'est une preuve qu'on est un petit peu dans le même. Dans le même Et la légende de la Formule 1, alors, et les souvenirs de la Formule 1, ça s'est arrêté quand la Formule 1 87. D'accord. Et l'émotion maintenant par rapport au milieu, l'évolution du milieu et tout ça, c'est. Le milieu. C'est commercial. Ouais, c'est voilà. Très. Ça a changé. Il a changé, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. C'est plus comme avant, quoi. C'est possible de dire ça comme ça. Bon, le but, c'est pas qu'on parle de moi aujourd'hui. Je veux que, tout simplement présenter ces deux personnes qui sont aujourd'hui des gens que je ne connaissais pas, mais vraiment pour lesquels je suis vraiment très content de les avoir rencontrés. Donc, ils vont se présenter déjà tout seuls pour un petit peu expliquer ce qu'ils font et surtout parler d'une association d'un de mes amis que je connais quand même depuis quelques temps. Donc, je leur laisse la parole. Oui, ben, bonjour, je suis Serge Bonnet. Je suis le beau-fils d'Henri Julien, fondateur de l'écurie AGS. Que dire que on a bien travaillé l'année dernière pour l'association de Cadomino, parrainée par Marco Paolo. Cette association vient en aide aux enfants qui sont touchés de grosses pathologies, notamment à l'hôpital de la Timone. Et Marco, avec tous ses fonds récupérés, permet aux enfants de pouvoir passer des week-ends hors de leur lit d'hôpital. Voilà, que vous dire d'AGS, je pourrais vous en dire beaucoup, beaucoup. Mais j'ai quand même une anecdote qui me restera marquée à jamais. Je me suis marié en 86, donc avec la fille d'Henri Julien. Et le jour de mon mariage, Henri Julien avait fait faire un gâteau d'une Formule 1. Et malheureusement, la roue arrière droite de ce gâteau avait cassé. Et mon beau-père était venu me voir, il m'a dit « c'est un mauvais présage ». Et donc en 86, le premier Grand Prix qui était à Monza, AGS était notamment sixième à quelques tours de l'arrivée, et puis malheureusement est arrivé ce qui devait arriver, la roue arrière a crevé et on n'a pas pu rentrer dans les points, et voilà, j'espère que c'est pas à cause de nous. De moi, ne jamais faire de gâteau justement pour le mariage, mais c'est comme ça. Une formule. Ouais. Donc alors l'histoire d'AGS, un petit peu vous la connaissez, justement l'origine, les années, etc. et tout un petit peu. L'origine, mon beau-père était un féreux de voitures de course, puisqu'il a essayé avant toute chose d'être un pilote, mais en tant que pilote, ça n'a pas très très bien marché, et donc il a commencé à construire des voitures de course. Il faut savoir que mon beau-père travaillait dans le garage, notamment le garage de l'Avenir, où son père travaillait, et à ses heures perdues, construisait des voitures de course. De là, ils avaient un apprenti qui s'appelait Christian Van der Plein. Et avec Christian, ils ont commencé à monter des voitures. Donc, en 68, ils ont créé la ligne AGS. Et puis après, est arrivé Jean, est arrivé plein d'ouvriers. Et d'aiguille en aiguille, ils ont monté, ils ont gravi toutes les formules pour arriver en Formule 1 en 86. Et puis, bon, mon beau-père, étant après à un âge avancé, a préféré laisser la main en 89 à AGS. Et puis maintenant, voilà, c'est devenu une école de pilotage. Et donc marié avec la petite fille, donc moi, je suis marié avec la fille. Avec la fille. Sa petite fille, d'accord. Donc avec la fille, donc de. Henri Julien, c'est la deuxième, Monica. Mais tu connais que des gens compliqués, toi, du coup, Marc ? Moi, pour moi, c'est des gens que je ne connaissais pas avant, mais franchement, je suis fier aujourd'hui de les avoir rencontrés parce que, encore une fois, je parle toujours des associations. Ces gens-là, on n'entend pas parler d'eux. Hein, je veux dire, moi, je ne les connaissais pas. Discrètement, humble. Et l'air de rien, il a récupéré 3500 euros l'année dernière qu'il a donné à Marco Paolo pour son association pour les petits cas de cancer. Donc ça, c'est des gens qu'il faut mettre en avant. C'est pas tous ces gens que vous voyez, qu'on voit briller là, qui disent moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, lui il dit rien. Et aujourd'hui, on le sait, je viens d'apprendre qu'il a fait ça. Ben, moi j'y tire mon chapeau. Et là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est sur cette. Vous n'êtes pas tout seul, bien sûr. Hein. Voilà, on n'était pas tout seul puisqu'on travaille quand même avec une association de danse de Gonfaron. Ouais. Mais il faut savoir qu'on a fait une tombola et dans cette tombola, on avait quand même mis 80 lots. 80 lots, dont les plus gros, c'était de l'ordre de 120 euros. Quoi. Voilà, donc 80 euros. C'est beau l'associatif. Bien sûr. Voilà. Après, c'est sûr que ça prend du temps, mais quand c'est pour des enfants, on ne compte pas. Et comme j'ai dit à Marco, j'ai dit, tu peux compter sur moi tant que tu veux, je suis toujours là. Alors c'est quoi aujourd'hui, du coup, sur les traces de AGS? Là, on est sur le circuit du Luc, donc on était chez AGS tout à l'heure, avec Philippe Streff, donc et Patrick Tambay, quand même belle réunion aujourd'hui. Et pourquoi alors aujourd'hui être là? C'est quoi justement? Philippe, c'est peut-être le pilote de fétiche d'AGS. Ouais. Voilà, même s'il y en a eu d'autres de pilotes, mais bon, Philippe,
quand il a fait ses premiers tours en Formule 1 sur le circuit, on était là, on n'a jamais quitté Philippe. Quoi. D'accord, voilà. Donc c'est un peu nostalgie, souvenir, c'est quoi, reconnaissance, amitié? Tout ensemble. Je veux dire, beaucoup d'amitié, beaucoup de reconnaissance et bon, des souvenirs aussi. Quoi. D'accord. Bon souvenir. Notamment, un jour, on est allé manger chez Philippe à Grenoble, et je le dis toujours, il avait un petit qui était malade, on lui avait posé la question, mais pourquoi il est malade? Il nous a dit, ben, ce matin, il a mangé un poisson rouge vivant. Voilà. Ah voilà. Donc, bon, on a plein d'anecdotes, mais bon, ça serait trop long à expliquer. Quoi. Bah, on reviendra de toute façon, nous on va être jour et nuit ici. Hein, sur on a eu pas mal de bonnes surprises aujourd'hui, c'était pas prévu tout ça. Moi ça me fait plaisir de t'avoir rencontré, parce que voilà, on connaît pas tout le monde, et puis on tombe sur des gens qui sont... Il parlait d'être humble, mais je vois que lui il est aussi. Quoi. Des gens de cœur. Voilà. Et c'est ce qui manque, je pense, sur Terre en ce moment. Bah, c'est ce qu'il a voulu faire, justement, l'idée de cette chaîne. C'est justement de développer non seulement des histoires. Bon, c'est facile de parler de voitures, de parler de ce que l'on veut sur un plan matériel. Mais si on ne réunit pas les gens par rapport au cœur et à l'humain, je dirais que même ce qu'il fait dans la boxe aujourd'hui, c'est complètement, je dirais, c'est une bonne énergie. Quoi. Voilà. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a la plus grosse richesse, c'est la santé. C'est ça. Exactement. Et c'est justement parce que, puisqu'on parle de la santé, je pense que tu vas me rejoindre, c'est que nous, on est en pleine santé, il faut être honnête. Quand je le dis tout le temps, quand on reçoit un courrier, un recommandé, un truc des impôts, tiens, on se pose, oh putain, on se prend. Alors qu'on ne devrait même pas y penser à ça. Quand tu vois des enfants qui ont un cancer, qui ont 8 ans, et comme tu as vu cet été, les gamins, ils montent sur le ring de boxe, ils ont la balance ici, c'est eux qui te filent le moral. Et oui, c'est les enfants qui s'y foutent, ils ne vieilliront pas. Donc je me dis, on est vraiment, on a de la chance, mais on n'est pas conscient de la chance qu'on a. J'ai rien dit de mal. Non, mais en fait, on était venu un petit peu aussi pour voir tourner la voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que le frein avant droit s'est grippé. Donc la plaquette s'est soudée avec l'étrier. Ils n'ont pas réussi à réparer? Non. Enfin, ils pouvaient le réparer, mais ils m'ont dit on ne prend pas la responsabilité d'envoyer une voiture comme ça sur la piste. D'accord. Donc c'est quand même eux qui... Vous avez quand même un petit peu tourné avec? Enfin, j'ai fait deux tours. Deux tours, et ça s'est bien passé? La voiture répondait bien ou la... Non. Alors, la voiture, au freinage, elle virait. Enfin, je ne veux pas que ça fasse du tort à qui que ce soit. On n'est que dans le bon sens et de la bienveillance. Voilà. Ça veut dire qu'au contraire, là, il faut vraiment toujours raisonner. Il n'y a jamais de côté négatif. Bon, déjà, c'est une voiture, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Qui n'a pas roulé pendant 5 ans. Exactement, il faut le préciser. Les gens d'AGS ont fait un gros boulot sur le moteur, mais on ne leur a pas dit de faire les trains de rouler. Voilà. Donc, elle n'a pas roulé et elle tirait à gauche au freinage. Franchement. Donc ça, à la limite, on peut gérer. Mais après, donc, l'étrier avant droit s'est grippé et là, c'était vraiment on tournait comme ça. Ah, mais c'est quand même une bonne expérience, ça permet un peu... Non mais moi... Comme on disait, ça a permis de rassembler pas mal de monde, de faire des connaissances. Nous, j'ai fait connaissance de pas mal de personnes ici que je n'ai peut-être pas jamais rencontrées. Bien sûr. Et puis voilà, donc c'est... C'est l'avantage du classique. Il y a une bagnole à conduire à 800 km, à 300 km, j'y vais. D'accord. N'importe quoi. La dernière que j'ai essayé, c'est un mec qui avait construit sa voiture. Il avait construit à sa dimension et je passais les vitesses comme ça, les monoplaces. Donc on a tout vu, ou presque. En fait, c'est du classique. C'est l'avantage d'échappement classique, c'est qu'on est dedans. On est dedans et puis c'est toujours un bonheur. Voilà. Le pilotage, donc tu as une carrière pilote qui est importante. J'ai une carrière pilote mal reconnue. Il n'est jamais pas trop tard. Pas reconnu à sa valeur. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ah non, mais moi, dès qu'il y a eu une bagnole à conduire quelque part... T'étais là. Quoi que ce soit, j'y vais, je pense. Ah, c'est bon, ça. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Je t'en prie. Ça fait quelque chose, mais je ne suis plus le propriétaire. Le propriétaire, c'est Philippe Strasse. Oui, allez, bien d'accord. Quand je dis propriétaire, c'était toi qui l'avais fabriqué la base. Ouais, disons que moi, je l'ai dessiné. Donc j'ai fait toute la conception, les plans, les études. Et ensuite, le châssis a été construit à Mazan par... Gérald Domancible, la carrosserie elle a été fabriquée à Grenoble, voilà les premières carrosseries. Et puis ensuite c'est moi qui récupérais toutes les pièces et qui montais la voiture. Et c'est un moteur de rallye 2, hein? Voilà, c'est un moteur de rallye 2. Ouais. Moteur suspension rallye 2. L'ambition de la voiture à l'époque c'était quoi en fait?
la vraie histoire de la construction, c'est cette idée de génie que tu as eu de construire cette voiture. C'est quoi, c'est un matin, on se lève, on dit tiens, j'ai dessiné une voiture. Non, mais moi j'avais toujours eu ça, moi depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai 6 ans, que je peux tenir un crayon, j'ai toujours dessiné. Donc j'ai une formation d'ingénieur, donc ça allait bien. Et puis voilà, quoi, je veux dire, on a couru avec Philippe en Coupe de l'Avenir sur une voiture qui s'appelait une Géry. Elle ne nous convenait pas, on aurait voulu améliorer ceci, cela, etc. Et puis je lui dis, bah allez, je vais la dessiner, et puis voilà, c'est bon. Et 40 ans après, elle a encore une voiture qui fait la route. Et qui a fait plaisir à plein de gens, qui ont fait la course de côte, du slalom, et tout ça pour pas cher. Hein, parce que bon, franchement, quand on voit ce que ça coûte aujourd'hui le sport automobile, mais nous, on faisait une saison avec le même train de pneus, tu vois. D'accord. Hein, on partait, on avait un camion avec nos deux voitures. Comme on n'avait pas de sous, on ne pouvait pas payer les péages. Donc on trouvait toujours un chantier, tu vois. Et on sortait là, on rentrait là. Le système D. Et puis voilà. Et puis à Fontainebleau, par exemple, on prenait un ticket pour 5 balles et puis on terminait. Ah, ça, tu peux plus faire, mais t'as terminé. Non, maintenant c'est fini. Voilà. Ah, ça a été vraiment une belle découverte aujourd'hui. Ça a été... Et c'est une époque par rapport à ce que toi tu connais, par exemple Marc aujourd'hui, où tu amènes ta voiture chez Ferrari, McLaren, etc., où tu as l'atelier énorme. Ça, c'était encore du truc où on faisait tout soi-même, quoi. Oui, on faisait tout soi-même. Ça, maintenant, quand tu as une voiture, il peut te le dire, c'est que de l'électronique, et ça s'est fait tout des ordinateurs. Tu vois, on avait un camion, c'était un truc vraiment complètement pourri, quoi, je veux dire. Il n'y avait même pas de siège pour le passager, il y avait un bout de mousse. Et une fois, on descend, c'était à Orange, il y avait un mec qui vendait, tu sais, des trucs un peu, des vieux sièges, machin, etc. Philippe, il descend, prend un siège, il le pose, ferme la porte, on s'en va. On roulait, par exemple, on roulait à 80 km sur l'autoroute, et pour faire des belles moyennes, on s'arrêtait pas, c'est-à-dire qu'on changeait de pilote sans s'arrêter. Mettez l'accélérateur du camion à fond, avec la manette, et puis il y en a un qui partait, l'autre qui passait par-dessous. Et... À l'ancienne. Ancienne, ouais. Si tu fais ça maintenant, tu es content. Et les relations avec Philippe que tu as aujourd'hui, justement, par rapport à ces années où vous avez eu cette... Bah écoute, nous on se connaît depuis l'âge, toujours, hein, donc on a commencé par les courses de mobilette, les courses de karting, on se connaît depuis toujours, donc... Nos mamans nous emmenaient au parc, tu sais, quand on avait 2 ans, quoi. Vous faisiez des courses de voiture avec des pédales. Non, là, c'était plutôt le bac à sable, et après on s'est échangé un peu les copines, enfin bon. Ouais, total, quoi. D'accord. Normal, quoi. Tu peux nous faire un petit peu autour de la voiture, nous expliquer les gens, ce que c'est. Voilà, tu peux nous faire le tour de la voiture comme ça. Alors, tu me fais découvrir. Les jantes, chaque année en Coupe de l'Avenir, on avait un accord avec un équipementier au niveau des jantes. Donc la première année, c'était des jantes Madine, fabriquées en France. Après, on a eu une autre roue italienne, des Speedline, je crois, un truc comme ça. Donc ça a un petit peu changé. Les pneus, c'était Michelin. Alors Michelin nous avait dit aux organisateurs, on veut bien vous fournir, mais on peut vous donner que ces pneus-là. C'était les pneus avant des formules Renault. Donc on avait les 4 roues qui étaient équipées avec les mêmes jantes et les mêmes pneus. Et pourquoi, il y avait une réglementation déjà à l'époque par rapport aux pneus, ou bien c'était des accords? C'était des accords, parce qu'il fallait bien qu'on ait des pneus de course, quoi, des racing. Hein. D'accord. Donc Michelin avait dit, bon, votre machin, là, on veut bien vous fournir, mais ça sera le SB11... de formule Renault, pneus avant, etc. Donc il y avait une homologation qui était faite avec ces pneus-là. Voilà, donc tout le monde avait les mêmes jantes et les mêmes pneus. Les suspensions, c'était les suspensions de la Rally 2, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mmh. On avait simplement les ressorts, les amortisseurs qui étaient libres. Quant au moteur, c'était le moteur boîte de Rally 2, qui était d'origine, avec un pot d'échappement fourni par Deville. Voilà, c'est tout. On enlevait, donc on était échappement libre, on enlevait la cartouche de filtre à air et l'alternateur. Voilà. Ça dévoilait à peu près 90 chevaux. 90 chevaux pour 540 kg. Voilà. Ouais, c'est un peu le rapport pas puissant, ça fait quand même. C'était pas mal, hein. Disons que ça allait bien sur les circuits rapides. Quand tu t'étais bien lancé. Voilà. Un circuit comme Paul Ricard, ça allait bien. Dès qu'on était sur des petits circuits, comme Croix-en-Ternois, où il y avait plein de relances, là on n'était pas bien, quoi. Parce que 540 kg, ça fait plus de 600 avec l'essence et le pilote. Et avec 90 chevaux, c'était un peu faible. Oui, bien sûr. Voilà. Après, l'histoire de deux places, justement, dans une barquette comme ça, c'est quoi? Il y avait... Alors, d'un côté, on a les monoplaces. Ça peut être F4, F3, F2, F1. Et puis, de l'autre côté, on a les sport proto. Donc, le sport proto, par essence, c'est une voiture à deux places. D'accord. Voilà. Alors, on n'est pas fait pour rouler à deux. Non, c'est pas fait pour rouler à deux. Mais c'est l'homologation. Voilà. D'accord. Donc, on devait avoir 90 cm de largeur au niveau des hanches, 110 cm au niveau des coudes.
Et puis voilà, tout était réglementé comme ça, quoi. D'accord. Et dans l'homologation piste, en fait, quand tu courais, ce que me demandait tout à l'heure Marc, c'est quand tu courais, c'était une catégorie qui était quoi justement ça? C'était, bah, c'était la Coupe de l'Avenir. Coupe de l'Avenir. Coupe de l'Avenir. Mais tout le monde avait une voiture différente quand même avec des. Ah, il y avait plusieurs marques, oui. Ouais. Il y avait des Géry, il y avait ben nous, il y avait des Arc, il y avait des. Voilà, et mais par contre, on avait les mêmes moteurs, les mêmes suspensions, les mêmes roues. Et la carrosserie, c'est quoi? C'est la fibre? C'est la fibre de verre, oui. Que tu as créée, toi? Ouais, tu l'as faite. Ouais. En fait, cette voiture, tu l'as formée de tes mains. Tu l'as formée? Je ne l'ai pas formée, je l'ai dessinée. Tu l'as dessinée, ouais. Tu l'as faite former. Ouais. Voilà, donc c'est magnifique. Tu as quelque chose à dire pour en conclure aujourd'hui, cette journée? Bah, en conclure, que le sport auto, c'était beaucoup plus beau. C'était mieux avant, quoi. Comme tout le monde a dit. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. La mentalité doit changer. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que le sport auto. Non, la vie était plus facile avant, c'était plus léger, c'était plus agréable, on pouvait créer. Oui, bien sûr, quand on voit aujourd'hui les querelles qui se font pour tout. Ouais. Alors c'est « touche pas à mon pote », après c'est « dénonce ton porc », après c'est « machin », enfin il y a toujours un truc. Ouais. Regarde, maintenant ils sont contre les flics, enfin bon, c'est complètement dingue, quoi. Non, c'est toi, pour te suivre, pour les internautes de Marc qui veulent te contacter ou te suivre ou t'envoyer un mail, tu as quelque chose, tu as une adresse Instagram? Ben, moi j'ai toujours mon site avec mes voitures de course qui s'appelle LF. Donc ailef.fr. Voilà. Alors donc, je viens de rencontrer ce jeune homme qui va donc se présenter bien sûr après. Donc, il va aussi me présenter aussi sa voiture, qui je crois une Carrera RS, c'est ça? Ça évoque une Carrera RS. Déjà, tu vas te présenter? Alors déjà, on va commencer. Donc moi, je m'appelle Stéphane Herra. Je suis ancien pilote de monoplace depuis 1995. Et puis, j'ai une grosse passion pour les Porsche. Je suis né dedans, mon père était dedans, mon grand-père était dedans aussi. Donc, voilà, donc ça se cristallise sur cette voiture, d'accord, qui est une Porsche Carrera 3 litres 2 de 84, que j'ai depuis 20 ans quasiment pour près. Donc qui a été retravaillée dans un esprit que j'ai appelé Vintage Racing. Et d'ailleurs après ça a créé, on en reviendra dessus après si tu veux, mais un plateau de démonstration avec des voitures dans, d'accord, cet esprit-là. Qu'est-ce qu'il y a comme motorisation dessus? Alors là en fait c'est le moteur d'origine, même si le look a un peu changé, c'est un 3 litres 2, un flat 6, un 6 cylindres à plat, 3 litres 2 Atmo, qui est un petit peu libéré, il n'est pas très préparé. D'accord. Ça coûte déjà extrêmement cher. Et puis c'est déjà donc 240 50 chevaux. 250 chevaux, je n'ai pas passé encore au banc. Ok, bah c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et surtout le poids. Ouais, elle est pas... J'ai enlevé 240 kg à la voiture. Ah d'accord. Donc, ça fait 1000 kg tout rond. Ça fait déjà un bon poids, un poids puissance. Quoi. Exactement. Ok. Alors, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Au niveau déjà des jantes, ces jantes qui sont aussi. Alors les fameuses Fuchs, c'est indissociable de la 911, les fameuses jantes qui équipent toutes les 911 à la course, à la série de années 60 à fin 70. C'était que ces jantes-là qui étaient forgées, qui sont extrêmement légères et résistantes. En plus du look, bien sûr. Là, elles sont en finition RSR. Et donc, là, même déjà la carrosserie, la couleur, je n'ai pas voulu la changer. C'est une couleur qui s'appelle Iris Blau, qui n'existait qu'une seule année. Et je l'ai gardée, même si je n'aurais pas choisi sur catalogue, mais c'est devenu une partie de la voiture. Après tu as l'intérieur qui est à la fois un peu cosy. Toi, j'ai gardé les vitres électriques comme en course à l'époque. Tu as mis des sièges à sièges baquets modernes, par contre. Voilà, sécurité, on a. On n'a pas badiné, tu vois, les étiquettes elles sont encore bonnes sur les harnais jusqu'à 2020, on y est, c'est bon, c'est encore valide. Ensuite, un volant avec un attache rapide et une commande de boîte qui est un clin d'œil à la Porsche 935. Exactement. Tu connais, qui est toute sur rotule, donc bien sûr, ça fait un barouf d'enfer, c'est hyper dur. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de ventilation. Oui, c'est tout enlevé. À 1000 kg, il faut les enlever. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Même les vitres arrière, ouais, c'est plus silencieux. Voilà, c'est bon. Ouais, est-ce que tu veux que je. Oui, j'aimerais bien que tu ouvres le moteur. Alors, le moteur. Donc, la seule pièce en fibre de verre, c'est ce capot qui est donc une réplique de la queue de canard. De cette arête. Donc, là, le moteur Fiat 6, on voit qu'il est très bas. On aperçoit en premier plan la turbine de refroidissement. Qui emmène beaucoup d'air. Le moteur, c'est un moteur refroidissement. Alors on dit qu'on se refroidit par air. Alors, explique un petit peu, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas si justement il y a le système de refroidissement liquide ou si c'est uniquement comme les deux chevaux. Alors effectivement, on dit plus exactement, c'est refroidissement par air et huile. Il faut savoir que dans une auto comme ça, il y a 12 litres d'huile dans le circuit de refroidissement, de circulation d'huile. Enfin, un gros réservoir, on voit le bouchon oil.
D'accord. Donc là, tu as 12 litres qui se baladent. Donc l'huile, bien sûr, participe au refroidissement et à la lubrification. Mais bien sûr, le refroidissement par air qui fait ce son cristallin du moteur, ouais. c'est donc de l'air pulsé qui vient souffler dans les cylindres. Ils ont des ailettes comme une mobilette. On est bien d'accord, il n'y a pas comme dans les nouvelles Porsche du refroidissement. Non, l'évolution après, c'était donc à partir du bloc des 96. Ouais. Au lieu de voir ces chemises LT, on a fait circuler de l'eau. Tout à fait. Alors Porsche avait déjà l'expérience au Mans là-dessus. Exactement. Ça vient de la course. Je veux dire, au point de vue solidité du moteur, je pense que c'est peut-être plus fiable ces moteurs qui sont refroidis par huile et air que les nouveaux moteurs. Pour moi, c'est mon avis personnel. Oui, on est d'accord. Hein. Moi, j'ai ils ont combien de kilomètres, ces moteurs? Un petit moment, il y a des vagues, en fait. À un moment donné, les moteurs à eau perdaient leur eau. Parce qu'il y a des moments, ça séchait, ça se désertissait. J'ai vécu un accident. Bref, c'est très dangereux. Après, c'est quand même un moteur assez fiable. Mais effectivement, il y a eu des soucis avec la GT3, etc. C'est pas spécifiquement dû au refroidissement liquide. Enfin bref, on parle un peu technique, mais c'est vrai que ces moteurs-là sont très éprouvés. C'est un moteur qui était surdimensionné. À la base, il faut savoir que ce bloc moteur, là, comme ça, vous lui mettez deux turbos, il souffle plus de 700 chevaux sans rien changer. C'est incroyable. Donc en fait, il est surdimensionné. Quand on pense que le premier moteur, c'est un 2 litres, c'était la même taille que celui-là. De 2 litres à 3,8 litres, c'est le même encombrement. Le même encombrement. Ouais. Ah, c'est pour ça que c'est quand même des moteurs qui ont fait leur preuve. Ah exactement, ça fait leur problème. C'est une voiture qui chauffe jamais, quand c'est bien entretenu, c'est en bon état. Voilà. Ça, tu roules, c'est... Là on voit que c'est entretenu. La voiture elle est vraiment très très propre, le moteur ça fait quand même plaisir de voir ça. Tu sens l'odeur aussi. Le Japon c'est pas d'origine Marc ça, non? Non, c'est pas d'origine ça. Pas d'origine, alors oui là. Alors c'est quoi en fait l'histoire de l'échappement? Alors l'échappement. Je veux pas être trop technique, mais en gros, sur les générations de moteurs là, on avait un échappement qui était pas symétrique, droite et gauche. Donc ça avait des longueurs différentes, ce qui apporte un peu de souplesse moteur finalement, mais par contre à haut régime, c'est un petit peu moins bon, et en harmonique aussi. Donc là j'ai mis les échappements, je sais pas si tu pourrais filmer en bas, mais c'est les spaghettis, c'est le nom effectivement, donc avec des longueurs égales à droite et à gauche, et en roulant, c'est un moteur qui est très sensible aux harmoniques. On a un moteur qui est plus accordé, qui a un son plus métallique. Ça serait bien que tu pouvais la faire démarrer. Quand on peut la faire démarrer. Ouais, parce que, t'aimes bien toi ça à Porsche. Moi c'est... Ah ben oui, moi j'en ai eu... Alors, j'ai eu un tout 27 Porsche. Ah quand même. 27. Je les ai toutes eues, les Porsche. En passant aussi par la 928S, la 928S 4 Koenig Strosek. C'était ma dernière Porsche. Après j'ai acheté la Turbo, la 996 Biturbo. Mais je suis passé par Porsche, donc après j'ai vu toute l'évolution. Et après quand j'ai goûté à Ferrari, après ça a été Lamborghini, après ça a été McLaren. Ça a été toute une évolution moi qui a fait que je... Mais aujourd'hui j'ai une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini et une McLaren. Donc j'ai les quatre, je n'ai pas à me plaindre parce que j'aime toutes ces quatre voitures que j'adore. Voilà. Ah, chacune a sa saveur. Chacune a un petit peu, exactement, chacune a sa saveur. Et moi j'aimerais bien écouter le bruit de l'échappement. Alors je vais la démarrer. Faut que je rentre dedans parce que j'ai pas de frein. Vas-y, vas-y. Ah, c'est à toi, par contre. Ah oui, mais non, je t'expliquerai après. Bah, en fait, on a la même officiellement, mais avec un autre... Attention, le chien. En fait, nous, on a mis un changement de vitesse un peu plus gros. Pivoter, ça se faisait à l'époque pour avoir la zone rouge verticale, plus facile à voir quand tu n'es pas en train de lire les aiguilles. C'est vrai, les compteurs, ça n'a pratiquement pas changé sur certaines voitures maintenant. Exactement. Ça aille même à les refaire, j'irais, numérique, avec l'aspect des aiguilles d'aujourd'hui. Quoi. Exactement. D'accord. Et là, elle est équipée piste ou tu peux rouler sur piste avec, il y a une homologation dessus ou pas? Non, c'est loisir. Alors là, elle a été homologuée, elle a couru cette auto en 2002. Je roulais en historique en saloon car, donc l'arceau, j'avais le 3 volets FFSA, donc elle est quasiment homologuée, il faudrait changer 2-3 petites bricoles pour être full compétition FIA moderne. Mais non, elle est homologuée, surtout que ces 3,2 litres maintenant, elles sont éligibles en historique,
donc ça donne légitimité à tout ça. Je pourrais courir avec là déjà cette année. Ouais. Alors dans tes projets, qu'est-ce que tu as? Déjà, est-ce que tu as un compte Instagram ou un compte Facebook où on peut te suivre? Mon compte Instagram, c'est mon nom et prénom. Alors je sais pas s'il faudrait être patient. Tu le mets dessous. Voilà. Ouais. Voilà, donc Stéphane.Erhard, c'est mon nom tout simplement. Et donc là, je vous ferai partager mon monde de passion et vous verrez aussi que je l'ai fait en petit, à l'échelle au 1/10, télécommandé, avec l'arceau, etc., le son. Et c'est la même chose en petit. Et donc, le projet, donc, j'ai un projet qui s'appelle le Racing 12 Project, qui est donc ce plateau qui réunit que des autos dans cet esprit-là, 70s, avec les couleurs, les décos, les pilotes en tenue. Sur Montlhéry, on va voir, on a fait une première fois à Montlhéry où c'était vraiment un succès. On a eu la présence de Porsche du musée Stuttgart, de Stuttgart qui est venu sur place. Et, parce que c'est authentique, c'est ça, c'est ce qui aura plu. C'est authentique, hein, on a mélangé des vrais 3 litres RSR à 1 500 000 euros avec des autos comme celle-ci qui sont faites avec le cœur. Et ça marchait très très bien. Et donc ça faisait vraiment un spectacle pour les participants, mais aussi pour les spectateurs. Parce qu'il y a une ambiance, on faisait attention aux détails, c'était pas juste qu'on roulait entre nous. Dis, t'es pilote essayeur aussi, c'est-à-dire que tu sais envoyer une voiture comme ça correctement dans les virages. Alors déjà celle-ci, comme je te disais, depuis 20 ans, elle m'a appris à piloter. Parce que moi j'ai appris en monoplace, mais ça c'est des fois plus compliqué qu'une monoplace, parce qu'il faut contrebalancer des effets d'inertie du moteur par exemple. Donc moi je suis issu du pilotage, hein, de la monoplace en ayant gagné à l'époque le Van Elf Winfield, ce qui m'a permis de rouler en formule, en monoplace, en sport-études, avec j'ai eu la chance d'avoir Henri Pescarolo comme mentor à un moment donné. C'était notre référence pour les pilotes de la filière, avec Sébastien Bourdet, Romain Dumas, Marcel Fassler, Benoît Trévillier, je sais pas si des légendes. Bref, des gars qui roulent. Et donc c'est une passion qui est vraiment chevillée au corps. Et ces voitures-là, c'est le prolongement, ça permet de l'exprimer. Voilà, c'est pas faire trop long. Bon, donc on va suivre ton histoire sur Insta, sur Facebook, sur ton site. Ah bah avec plaisir. Et en espérant qu'elle soit longue, et on se rencontrera quand tu fais quelque chose d'important avec Marc. On viendra te voir. Alors bah, écoute, ça s'est bien passé. J'ai rencontré deux personnes pour moi qui étaient un petit peu qui sont toujours des légendes de la Formule 1. Donc Philippe Streff et Patrick Tambay. Pour moi, c'est vrai que ces gens-là ont marqué leur époque dans la Formule 1. Et de les avoir revus aujourd'hui, d'avoir discuté avec eux aujourd'hui, donc on le verra dans le reportage, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Formidable. Le seul petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir tourné avec la McLaren sur le circuit. Moi, c'est pris un petit peu trop tard. J'aurais pris, se serait même un peu renseigné un petit peu avant, on aurait pu faire quelques tours pour montrer un petit peu la voiture, parce que c'est quand même une voiture qui développe presque 700 chevaux. Et franchement, ça envoie et j'aurais voulu un petit peu qu'on la filme. Ça sera l'occasion de faire ta voiture. Ouais, alors on la refera l'autre jour. Voilà, on a fait que des belles rencontres, des gens qui sont vraiment exceptionnels. Donc on a parlé des associations d'enfants malades. J'ai eu d'autres personnes qui me connaissaient par l'intermédiaire d'associations d'enfants paraplégiques et tout, qui avaient le cancer. Donc voilà, ça a été une belle journée. Et merci à toi de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de Marc Notary TV. J'espère qu'on fera un grand parcours ensemble. Donc voilà, à bientôt la famille.